Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Victoria Kila. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo capillaire, donc en ouaille. Alors du coup, je vais faire une petite vidéo, je vous montre comment j'hydrate mes cheveux dans la semaine. Bon, ma tête elle est un peu voilà, fatiguée, j'allais me coucher, après je me suis dit bon, pourquoi pas faire une petite vidéo vite fait, bien fait là. Donc du coup, voilà. Là, je vais séparer mes cheveux. Purée. Oh là là. En tout cas, ils sont bien secs. Hein. Vous voyez? Ils sont bien secs. Franchement. Et moi, je... Genre, je vais pas me dire, ouais, j'hydrate deux fois par semaine. Non, non, non. Je regarde l'état de ma tête. Quand c'est sec, j'hydrate. C'est simple, clair et précis, quoi. Donc vous aussi, une fois que vos cheveux sont secs, vous hydratez. Pas besoin de regarder combien de fois Pierre, Paul, Jacques a attendu pour hydrater ses cheveux, quoi. Donc du coup, déjà là, je vais séparer en deux. Ensuite, j'ai une tête. Ensuite, j'utilise ça. Donc du coup, c'est le sérum croissance de madame, des secrets de Loli. Ça permet de stimuler la pousse et de rendre les cheveux plus forts. Il y a 6 huiles essentielles et 6 huiles végétales. Mais je sais qu'il y a de la menthe poivrée dedans. En tout cas, moi j'aime bien parce que j'aime bien quand ça chauffe bien. Tu vois, ça permet vraiment de stimuler la chose et tout. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer mes cheveux comme ça, n'importe où comme ça, vite fait. J'applique le sérum. Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, là, je vais masser mon cuir chevelu comme ça. Enfin, je mets mes doigts à plat et je fais ça. Donc, du coup... Comme ça, oui. Une fois qu'on s'est fait du bien, ce que je fais, c'est que je viens faire une petite section devant. Ok. Une petite. Ensuite, je prends mon vapeau. C'est un grand vapeau avec de l'eau en bouteille. Du coup, tac, je démêle. Je démêle. J'hydrate mes cheveux. Franchement, ce vapeau-là, il est trop bien. C'est abusé. Voilà, on hydrate bien. Sur la pointe de mes cheveux, je remets le sérum sur la pointe parce que moi là, mes cheveux là, ils aiment trop faire des fourches pour rien exagérer. Donc je mets de l'huile sur mes pointes. Ok les bébés, faites pas de fourche s'il vous plaît, je suis fatiguée de vous couper, s'il vous plaît, le monde il est méchant. Bon bref, voilà, j'ai mis
l'huile sur la pointe de mes cheveux. Comme ça, voilà. Une fois que j'ai mis l'huile sur la pointe de mes cheveux, je viens appliquer un lait capillaire. J'ai celui-là. Donc, c'est le lait capillaire de chez... des secrets de Loli. C'est un smoothie. Litchi mûr. Et c'est écrit que ça hydrate et ça nourrit à base d'aloe vera, l'huile de jojoba et amandou. Et pardon, pause. Franchement, je ne suis pas en partenariat, malheureusement pour moi, avec les secrets de Loli. Mais contrairement à toutes les marques que j'ai déjà utilisées, comme tout, nanani, nanana, franchement, cette dame, elle n'a pas menti. Elle n'a pas menti. Quand elle vous dit que ça hydrate, les gars, ça hydrate pour de vrai. Ça hydrate, mais en profondeur, tu vois. Tu sens tes cheveux sont hydratés pendant un moment. Alors que la dernière fois, j'ai acheté une crème contour, avocat, je sais pas quoi. J'ai mis ça. 30 minutes plus tard, mes cheveux étaient déjà secs. Le truc est là, il me regarde, je le regarde toujours. Hein. Donc franchement, c'est abusé. Donc du coup, c'est une crème comme ça, elle est blanche. Je ne vais pas trop pencher ma main, sinon ça va tomber. Je frotte, je vais appliquer. Je mets... Voilà. Et les gars, c'est toujours pas fini. Une fois que j'ai mis la crème, le lait, pardon, je viens prendre du beurre de karité que j'ai acheté sur Amazon. Mais faites attention, il y a plusieurs beurres de karité. Il y a un qui est vraiment, vraiment, vraiment du beurre de karité. Il y a un autre là, il est bizarre. Il y a même un qui est des autres. Bref, prenez du beurre de karité, achetez-le où vous voulez. Je viens chauffer, tu vois, le beurre de karité pour le faire fondre, pour qu'il s'applique bien là sur mes cheveux, tu vois, pour sceller l'hydratation, parce que nous, on est fatigués, tu comprends? On met pas tout ça sur notre tête pour que dans 2 jours, il n'y ait plus rien. Donc du coup, le truc est blanc. Ça, voilà à quoi ressemblent mes cheveux une fois que c'est hydraté. Ensuite, je fais une natte. Et je fais un caca cabrique ou caca poule, je sais pas comment on dit ça, mais je fais ça. Je fais rentrer, pourquoi je ne sais pas. Ma mère m'a toujours fait ça comme ça, donc on continue. Du coup, je vais faire exactement la même chose sur toute ma tête. Je vais faire ça sur toute ma tête. Donc, du coup, là, je vais séparer en 3 partie là, une partie là, et je vais faire la même chose ici. Donc, du coup, je le fais et je reviens. Donc voilà, là j'ai fait toute ma tête. Voilà. Là c'est bien hydraté et tout. Et avant, on va pas terminer comme ça. Je mets du cellophane sur ma tête. C'est pas des white là. Alors je mets du cellophane. Oh là là là. Voilà, c'est quelque chose. Tu vois, je savais que ça allait bouger. En fait,
je vais laisser ça au moins 30 minutes pour bien chauffer, pour ouvrir les écailles des cheveux et que les produits ça rentre bien et que l'hydratation rentre bien en profondeur encore. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire les gars. Si votre pâté savent, maintenant votre savent. Voilà. Tu mets du cellophane, ça va ouvrir les écailles des cheveux, le produit va bien rentrer. Et ensuite, grâce au beurre de karité, ça va sceller la chose. Et là, tu es prête. Et voilà. Et ensuite, moi, je peux même dormir comme ça. Hein. Et je mets mon bonnet en satin. Voilà. Le bonnet en satin, on connaît déjà. C'est pour protéger les cheveux pendant la nuit. Éviter que ben, ton oreiller aspire tout ce que tu viens de mettre. Hein. La vie n'est pas gratuite. Donc, du coup, voilà. Et ce bonnet en satin aussi, vous pouvez l'acheter sur mon site FA Beauty Home. Donc, voilà. C'était ma petite routine capillaire que je fais dans la semaine, une, deux fois, ça dépend. Si mes cheveux sont très secs, ben je le fais. S'ils sont toujours hydratés, ben je ne fais pas, voilà. Donc, je ne peux pas vous dire, faites ça deux fois par semaine et tout. Quand tu sens que tes cheveux commencent à devenir trop secs, tu hydrates tes cheveux, voilà. Simple, efficace, les gars. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous utilisez les produits des secrets de Loli et si ça vous va bien aussi, etc. Ou si vous allez l'utiliser ou si je sais pas quoi, mais voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Bye!